la dernière partie de ce voyage. On a quitté les montagnes et on est ici dans le sud. On va visiter la côte sud. On va remonter de Tangal jusqu'à la capitale en s'arrêtant dans différentes plages. Les plages ici, elles sont magnifiques, mais elles sont aussi très violentes, sauvages. Donc il y a vraiment des spots où on ne peut pas nager. Mais voilà, donc aujourd'hui, on est à Tangale et on va visiter différentes plages. La Silent Beach, la Goyamboka Beach. On va aller faire un petit tour au port. On ira ensuite à la Medaketia Beach, la Marokilia Beach. Ici, on a la Rekawa Beach qui est très connue parce que les tortues viennent pondre ici. Donc vous avez la possibilité de venir autour de 20h. Il y a un centre de conservation qui vous montre tout simplement les tortues en train de pondre. Je pense pas qu'on va faire ça puisque c'est... Je pense pas qu'on va le faire. Bon, voilà. Donc c'est parti pour la découverte de Tangale. Vous pouvez voir la puissance des vagues. En fait, à Tangale, il n'y a pas beaucoup d'endroits où vous pouvez nager. Donc il faut vraiment vous renseigner parce qu'il y a beaucoup de rochers et surtout, il y a des courants. Donc pas d'imprudence. Mais les plages restent quand même magnifiques pour se promener. Et voilà, les enfants peuvent jouer. En fait, c'est très sauvage. Donc voilà, on est arrivé au Bird Resort qui finalement n'était pas très loin de Tangale, à environ une heure de route. Ça a passé très vite. Bon, on va utiliser l'application pour trouver la... On y est, voilà. On va prier et ensuite on va aller à la réception. On a quelques activités prévues. Voir les éléphants, mocktail, dîner... Et on va se promener un petit peu ici dans le parc.
Ok, on va manger. Donc ici, on a un plat, puisqu'en fait, il y a les Hollandais qui ont occupé le Sri Lanka. Et donc, ils ont ramené ce plat. Je ne me souviens plus du nom. Et en fait, ce plat, les Hollandais l'ont eux-mêmes piqué aux Indonésiens. Donc, c'est un plat indonésien à la base, du riz avec du poulet, il y a des œufs. Et on a plein de curry, vous voyez, avec des légumes, curry d'aubergine, curry de... Ça, on appelle ça des lady fingers. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça des lady fingers, c'est les doigts des demoiselles, c'est un légume un peu gluant. Vous vous rappelez, on mangeait ça souvent avant. Et voilà, donc on va manger et ensuite on va découvrir le parc. Bon appétit. Bon, relax, hein, on fait rien cet après-midi. Bon, on va faire un petit mocktail. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Mariam, tu vas goûter le coco loco. C'est bon, hein? C'est super bon. Franchement, on est chaos technique. Habituellement, on ne mange jamais dans la chambre, mais là, pour le coup, on a fait une exception puisque Haroun il s'est endormi et j'ai pas envie de le réveiller. Donc, on a ici du poulet, des fruits de mer. Je suis crevée, du riz. Il y a une sauce ici et des desserts. Allez, on va manger et je vous dis à demain. Good. Petit déjeuner tard, il est 8h, enfin tard parce qu'habituellement on se réveille super tôt, très très tôt. Et donc là il est 8h, on va prendre un petit déjeuner. Ensuite on a pas mal d'activités ici, dont la visite du parc ce matin. On va aller voir les oiseaux. C'est pas mal. T'es content? Donc on a ici des saucisses, on a demandé des pancakes, des fruits, omelettes et des tartines. C'est parti, on va finalement aller nous promener dans le parc. Vous avez la possibilité de louer des vélos. Le problème c'est que les vélos ici, c'est des vélos adultes. Donc du coup, on va faire ça en petite voiturette comme ça. Vous pouvez faire ça à pied aussi. Il commence déjà à faire chaud. Donc c'est vrai que c'est pratique. Let's go! À l'intérieur du parc, il y a un centre de recherche. Il y a un centre de recherche. Vous avez une entrée séparée en fait pour le resort et une entrée pour le parc. Oui, donc là on va au parc. On a quitté le resort et le parc il est juste à côté. Voilà, vous voyez le Bird Park, l'entrée elle est juste là. On voit le panneau juste là. Ok, on a fini la visite. Bon, franchement, je vous avoue que c'est une déception dans le sens où, en fait, je pensais que c'était un parc ouvert, mais en fait, c'est un parc, vous voyez, avec des grillages partout. Oui, des oiseaux. Les enfants, ils ont adoré, par contre. Oh là là, c'est qui ce petit mignon? Il est trop mignon, ce garçon. Ok, bon, on va aller à la piscine. T'es prête? On va aller à la piscine et on a notre déjeuner à la piscine. Et après ça, on a quoi? On a un goûter, un pique-nique. Tea pique-nique. High tea. C'est pas vraiment un high tea, c'est plus un pique-nique. Je crois que ça sera en extérieur. Et on a ensuite une petite démonstration de cuisine. Qu'est-ce qui se passe, Haroun? Alors tu demandes et maman elle va t'aider. Oui, maman elle va t'aider. Ok. Je peux juste terminer? Merci. Je disais, on a une démonstration de cuisine. Oh, I love you. Une démonstration de cuisine et je sais plus quoi. En fait, c'est vraiment relax. On a deux jours relax et demain, on reprend la route. On reprend la route, on va aller voir les baleines. On va manger local encore.
Ça a l'air très bon. Traditional curries, this is a beetroot curry. Mm-hmm. Almonju. The brinjal almonju is sweet. Okay. It's eggplant. And the meats. This one is the fish ambul tiyar. It is a specialty of Sri Lanka. We also have included a beef curry. Je vous montre franchement les curries. Ils ont l'air super bons, vraiment. C'est délicieux. Et alors ça, en fait, ce sont leurs peaux traditionnelles. This is a traditional sweet dish in Sri Lanka. It is called curd. 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 Yes. This is actually made from buffalo's milk. Il est 5h28. Il est 5h28. Harun, il a dormi une bonne partie d'après-midi. On est en train de prendre un thé café. Ils nous ont fait ça sous forme de pique-nique. C'est super sympa. Avec plein de trucs homemade, des cookies, des cupcakes, des gâteaux. Ça, c'est une spécialité de chez eux. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est du sucre. Du sucre. Ça s'appelle crocodile quelque chose. Donc voilà, et on va assister du coup au coucher du soleil. Dernière soirée ici. On va faire un curry, un prawn curry. Et on a un chef avec nous là qui est là. Ok? Let's go. Right. So, very good evening. Today, what we are going to prepare right now in front is a Sri Lankan dish as well. There are bigger ones on this. Wow. And then only if you want. Il est temps de goûter, on va goûter. C'est bon? C'est délicieux. Encore et encore. Il est bien dosé le vin. Really nice. Il est 20h. On va manger. J'ai l'impression qu'on a mangé toute la journée. Alors le chef va nous préparer un repas chinois. On va manger Chinese. Alors on y va. Je suis chaos technique là. J'ai qu'une envie, c'est de dormir. Alors, je vous montre ce qu'on a ici pour le dîner. On a du Mongolian rice. On a des légumes sautés au soja, c'est ça? Ici, du poisson sauté au soja, c'est style chinois. Style chinois. On a ici du poulet sauté au soja. On a des légumes. Et voilà, il fait super bon. Bon appétit. Morning. Comment ça va? Coucou, j'espère que vous allez bien. Waouh, il fait super bon aujourd'hui. Ça y est, on va partir, on va quitter le Bird Resort ce matin. Donc là, on va prendre le petit déjeuner. Normalement, c'était petit déjeuner dans la chambre, mais personnellement, je n'aime pas prendre le petit déjeuner dans la chambre. J'aime bien, surtout avec les enfants sur le lit. Non, j'ai pas envie de renverser tous les trucs good morning. Donc du coup, on leur a demandé de prendre un petit déjeuner classique au restaurant. Alors, on a pris un déjeuner traditionnel sri lankais avec du riz, des vermicelles. Vous avez ici leurs galettes. Accompagné de... Ils ont toujours plein de curry comme ça. Curry de poulet, ici c'est de la noix de coco avec je ne sais plus quoi. Chili, je ne sais plus ce que c'est. Pommes de terre, dalle, des genres de lentilles en fait. Et voilà, bon appétit. Et voilà, on est parti. Franchement c'était cool, c'était vraiment cool. Bye bye, thank you. On s'est arrêté ici, dans une ville qui est connue pour les noix de cajou. Vous avez plein de vendeurs comme ça. Sur la route. Ici, on a fait un arrêt devant ce phare. Vous ne pouvez pas monter, il ne se visite pas, mais la vue est magnifique. Vous avez vraiment la mer à l'état sauvage. C'est assez agité, assez violent. D'ailleurs, il n'y a personne qui nage ici, mais la vue est vraiment magnifique. C'est un vieux phare qui date des années 1889, je pense, quelque chose comme ça. Et y a pas mal de personnes qui sont là, qui pique-niquent, prennent des photos, se promènent autour. On va se rapprocher, on va voir ça de plus près. On est sur la plage de Polena.
Et les enfants, ils sont là, en train de s'éclater. Ils ont pris des petites bouées. Alors, on a un petit requin ici. Oh là là, Aaron. Oh non. Alors ce matin, on est parti de Galle pour Mirissa. On a fait une excursion pour aller voir les baleines. Je vous avoue que c'était, ça nous a bien retourné l'estomac. Je vais vous montrer quelques clips. Je n'ai pas beaucoup filmé parce que vraiment, ça bougeait énormément. Et bon, on a vu, on a aperçu quelques baleines. Les enfants étaient contents. Mais voilà, on va pas. J'étais un peu déçue. Là, on est à Weligama. C'est une plage qui est connue pour le surf, notamment pour les débutants. Et alors, on a trouvé une école ici. Ça s'appelle My Surf Camp. Surf School. Et on va prendre une leçon et on va aller voir. Donc en fait ici les vagues sont très petites, donc c'est parfait en fait pour les débutants. Vous avez bien sûr d'autres spots super connus, mais voilà, on va faire ça ici. 2 or 3 seconds finished. Yeah. We have to stand up or we have to land. Maybe on the aim. Ok, alors on garde bien les pieds, les orteils à l'intérieur. Les mains, il expliquait bien à l'intérieur qu'on puisse faire pousser en fait pour pouvoir se relever. On va voir ce que ça va donner. Yeah. Je sais pas ça. Paddle, ok. Same place. Push, bring this one. Do this, and bring it this place, and remove this. Ok. Yes, slowly. Ok, 3, 2, 1. Ouais. Yes, that's very good. Very good. Yes, yes. Woo! See, and bring it slowly. Ok. Keep it, this one. Purée, c'est pas si facile que ça, hein. Sincèrement, waouh! Je crois que ça va être de la folie, on va tomber dans tout. En plus, avec Haroun qui s'accroche. Haroun, tu fais quoi? Bon, donc en gros, on vous explique d'abord sur le sable et ensuite on va passer. On va aller du côté de la plage et on va essayer. On va essayer, ça va être fun. Stand up, Aaron, stand up, stand up! Mon dieu, c'était cool. Dalawela, c'est une plage sympa où les enfants peuvent nager. Il y a des tortues normalement et on va aussi en profiter pour manger un bout. On va se commander des pizzas ici. Hein. Ouh. Un four traditionnel. Ah, il fait bon! Thank you.
stop, enfin, dernier stop niveau plage. On est ici à la... Merci Haroun, on est à la Jungle Beach. Alors pour atteindre cette plage, vous devez marcher un petit peu. Du coup, c'est une plage un peu plus secrète, on va dire. Donc là, on y va et on va voir ce que ça va donner. Let's go Haroun! Avec une activité très cool, on va repartir faire du surf parce que franchement on a trop aimé. Et ensuite la deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va visiter une plantation de thé. On est dans une plantation de thé qui s'appelle, attendez je vais lire le t-shirt du monsieur, Andunu Goba. Voilà, alors ici c'est une usine. Alors ici ils produisent du virgin thé blanc, que du thé blanc, rien d'autre. Et en fait ils nous expliquaient que pour le thé blanc ils utilisent en fait que la petite tige qui est en haut. Attendez, je vais vous la montrer. Vous voyez cette petite tige qui est ici, là, voilà, en fait ils utilisent vraiment que cette petite tige qui est ici. Alors ils utilisent un bol en céramique et les gants pour ne pas toucher justement la tige. Et alors toute la partie qui est en dessous, ils l'envoient pour produire du thé vert ou du thé noir. Alors là pour la petite histoire, il faut savoir que l'empereur de Chine, il exigeait en fait de boire du thé qui n'était pas touché par les hommes, les mains des hommes. Alors à l'époque, ils avaient des bols en or et ils récoltaient avec des ciseaux. Ils sont passés où ? Donc là ici dans cette plantation, ils ont gardé le procédé en utilisant des bols en céramique, non plus des bols en or, et des ciseaux. Ce qu'ils disaient aussi, c'est que ce sont les femmes essentiellement qui récoltent cette partie-là, voilà, parce qu'elles sont beaucoup plus délicates, il expliquait, pour prendre la tige. Elles travaillent en général le matin de 8h du matin jusqu'à 16h et ensuite elles ramènent ce qu'elles ont récolté pour peser et pour les payer. Tea and the white tea. When you go to, this is the virgin white tea. On a trouvé ce petit café, super sympa, ils font du bon café avec une vue exceptionnelle à l'intérieur. Attendez, il faut que je vous montre à l'intérieur. L'intérieur est super beau. Hier franchement j'ai pas arrêté de me casser la gueule.
Tangal depuis plusieurs jours. Là, c'est la Danne. Attendez, je vous retrouve après. Je vous disais, on est ici à Gal. Ils prononcent la ville de Gal, Gaul. Donc, c'est un fort. On a visité le fort, les remparts. Donc, la ville, elle est placée à l'UNESCO. Il y a des règles très strictes. Donc, toutes les constructions qui sont à l'intérieur, il doit y avoir des tuiles rouges sur les toits, du bois. Ils doivent garder les structures d'origine, etc. Alors, donc on a visité des mosquées, il y a des églises, mais c'est surtout les remparts qui sont à visiter. Et à l'intérieur même, vous avez plein de cafés, des boutiques hôtels, des magasins, etc. Là, ici, vous venez d'entendre l'Aden, c'est une grande mosquée en fait, c'était une cathédrale, une cathédrale qu'ils ont transformée en mosquée. Il y a énormément de musulmans ici à Gaul. D'ailleurs, il y a énormément de restaurants halal, donc ça pour notre plus grand bonheur. D'ailleurs, on se rend là à un des restaurants. Et quoi d'autre? Bah écoutez, c'est vraiment sympa. Ouais, on a trouvé un restaurant qui fait marocain et plein d'autres trucs. C'est juste dommage qu'il y ait autant de circulation à l'intérieur parce que les bâtiments sont très beaux, c'est vraiment très sympa, on se croirait pas du tout au Sri Lanka. Est-ce que je vous ai dit que ce sont les Portugais qui ont fait Gaul? Je sais plus si je vous l'ai dit, mais voilà, c'est fait. Donc voilà, je vous montre un peu ce qu'on a vu et on se retrouve tout à l'heure au restaurant. On a trouvé un restaurant halal qui a l'air délicieux. Wow, ça a l'air super bon. On va aller là, on va manger ici. Ok, alors on est chez le Indian Hut. En fait, on a vu plein de musulmans, des personnes voilées, et on se dit, ah, ça c'est sûr que c'est halal, effectivement. Alors, c'est un restaurant indien. Il donne juste en face sur le fort. Chicken curry, tandoori. Nous, on va prendre le tandoori. Oui, Mariam, tu veux prendre quoi? Je vais prendre butter chicken. Butter chicken. Et alors aussi, on a des naan. Garlic naan. Après, tandoori. Like babies, okay? Mmh. Yeah, ooh, there is cashew nuts inside. Ça a l'air super bon. Ok, c'est parti. Donc là, on va prendre la route pour Colombo. Et sur la route, on va faire différents stops. Donc déjà, on va trouver un endroit où prendre un petit déjeuner. On a repéré un café à Ikadoua. On va faire un arrêt pour prendre un petit déjeuner. Et ensuite, on va s'arrêter à la plage qui est plutôt sympa ici. Donc c'est parti, on y va. On a déniché un super café, franchement super bon, ça s'appelle Salty Swami, c'est un café, un shop avec plein de trucs. D'ailleurs regardez, j'ai acheté pas mal de petites choses. On a pris, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris des bowls, on a pris des cinnamon rolls pour les enfants, du café, c'est super bon. Un super emplacement avec une vue sur mer, plein d'espace et tout, et voilà, vraiment cool, très bonne déco. Ils ont plein de petits trucs super sympas, des petits accessoires, des stickers, des petits livres, ils ont des produits de beauté. Et franchement, les prix sont quand même très, très abordables. Ce que j'aime bien, c'est que c'est beaucoup de... Quasiment tous les produits sont artisanaux ici. C'est un temple qu'ils ont fait en mémoire des personnes qui sont mortes durant le tsunami de 2004. Good morning. Donc il faut savoir en fait qu'il y a eu énormément de victimes ici dans cet endroit. Wow. Train de passer. Vous voyez le train qui vient de passer ici. Donc le train a complètement déraillé. C'est vraiment les photos, elles sont. Je vais pas vous les montrer, mais c'est dur. Alors la hauteur en fait de la statue ici, c'est la hauteur de la deuxième vague, puisqu'il y a eu une première vague et 30 minutes après une deuxième vague. Donc 85 meters, 25 mètres. Donc imaginez-vous. Difficile d'imaginer. Sur la route de Colombo, on s'est arrêté dans un village où vous avez plein de mines. Ils appellent ça les mines de moonstone, des pierres de lune. Et donc on va voir en fait le procédé, comment ils récoltent, etc. Oui, on marche à pieds nus là, on vient de la mer, donc du coup on est vraiment en mode
maillot de bain à pieds nus. Alors en fait ça ressemble à ça, vous voyez. How deep is it? Wow. Vous voyez le monsieur, il est en dessous en train de... 20 mètres. Yeah, ok. Ok, I'll explain. Yeah. You know this area before? No. No, no, first time. This is a special area. Color transparent, not directly transparent color. Quand ils ont fini d'explorer une partie, ils recouvrent tout et ensuite ils peuvent creuser de nouveau. Et en fait, elle expliquait qu'ils creusent 20 mètres de profondeur et ensuite 1 mètre. Ah ouais, ils peuvent continuer. C'est ça? Ils peuvent encore creuser 1 mètre à l'intérieur. Non, plus. Hein. 20 mètres, oh, plus encore. Plus, ok. Plus voilà. Wow, this is nice, the green one. Moi, je crois que c'est le date. Oh, yes, beautiful. Yeah. Wow. Ah, qui de chaud là-bas. Comme Marie, wow. So deep. Okay, nice. Mariam. Amethyst. Oh, yes. Thank you. Oh, yeah. How this? Avec un cavalo. Oh, this one is nice. Rose. Rose quartz. Rose, yes, rose pink. Quartz. Pink. Very nice. Une fois qu'ils ont récolté ici, ils font les bijoux. The evening order is finished. On va faire un tour sur la lagune Madouganga. Donc avant de rejoindre l'océan, donc la rivière en fait se divise en plusieurs cours d'eau. Ici vous avez une quarantaine d'îles, certaines sont habitées, certaines sont utilisées pour cultiver les noix de coco, la noix de coco, d'autres pour la cannelle et d'autres, je crois qu'il y en a 6 qui sont et il y en a 6 qui sont à l'abri pour les oiseaux. Donc il y a pas mal d'oiseaux ici. Donc on va faire un petit tour et bah, c'est parti. La démonstration, vous pouvez toujours acheter. Donc là, c'est la poudre, la cannelle en poudre. Vous pouvez acheter les bâtonnets. Et là, c'est de l'huile de cannelle. Il expliquait en fait. How many kilo of leaves to? 250 kilo, only 1 liter. Waouh, ok. 250 kilo. Waouh, ok. Il faut beaucoup de feuilles pour faire un peu d'huile, quoi. Apparemment, c'est très bien pour les maux de tête, mal de dents, rhume. On arrive vraiment à la fin de notre périple. On se rapproche de Colombo, on se rapproche de la fin du voyage. On est ici à Bentota. Alors Bentota, c'est la station balnéaire la plus proche de la capitale. Donc ici, il y a plein d'hôtels, une jolie plage. Par contre, il faut faire attention parce que les courants sont assez, assez forts. Donc il y a très souvent des noyades ici. Donc on va s'arrêter, on va en profiter pour manger, marcher un peu sur la plage et ensuite direction Colombo. On n'est plus très loin. On n'est plus très loin. Non, je ne veux pas rentrer. Ah. Dernier stop avant Colombo, on est à Beruwala. Donc ici c'est la mosquée, j'ai oublié le nom, je ne me souviens plus du nom.
Mais en gros, au 8e siècle, les premiers musulmans ont atterri ici. Et donc, c'est une ville où on trouve essentiellement des musulmans. Donc, on va aller voir la mosquée qui est ici. Là, je vois qu'il y a un collège d'arabes, le Asharafia Arabic College. Et juste en face, vous avez la mer. Donc, on y va, venez, on va aller rendre visite on va aller voir cette mosquée. Un peu spécial, hein. Comme vous pouvez le voir, j'avais vraiment envie de venir voir. Et je vais vous montrer, on n'est pas loin d'un port. Donc il y a plein de bateaux de pêche d'un côté, vous avez la plage de l'autre côté. Voilà, tous les bateaux qui sont là. Alors ici, on a le collège, le Arabic College qui est là, et la mosquée qui est ici. On va visiter Colombo en tuk-tuk. On va prendre un tuk-tuk. Donc il y a Uber ici, vous pouvez choisir le type de véhicule. Donc on a pris un petit tuk-tuk pour visiter. Ça y est, on arrive à la fin du voyage. On est ici à Colombo. On va visiter la cité. Alors il faut savoir que beaucoup de voyageurs ne s'arrêtent pas à Colombo. C'est vrai que c'est une cité qui est un peu spéciale. C'est très encombré. Elle s'étale le long de l'océan Indien sur plusieurs kilomètres. Mais il y a quand même des petites choses à voir, notamment un noyau historique avec plusieurs bâtiments très beaux qui ont été restaurés, d'autres moins restaurés, mais en témoigne de l'histoire de Colombo. Il y a également le quartier de Peta qui est super sympa, très coloré, hyper vivant avec une magnifique mosquée. Allez, on va faire cette visite en tuk-tuk. Et donc là, on est au marché, le Manil Market. Donc on est du côté où il y a tous les vêtements. Madame. Alors ici on a l'horloge tower, en fait c'est un ancien phare et alors ça sert aussi, en fait à partir de ce point là, on calcule tous les kilométrages vers les autres villes depuis Colombo. C'est de la folie, on est dans le quartier de Jaffa où il y a plein de marchands partout, c'est dingue. Donc là on est venu ici pour se promener et on va visiter la mosquée qui est juste là. Une très belle mosquée, vraiment magnifique. Magnifique, je vous la montre. Alors en fait normalement la mosquée, oh waouh, c'est magnifique. Normalement elle ouvre à 11h et le monsieur nous a ouvert. Waouh, c'est magnifique. I will introduce myself and I will give a brief introduction about this mosque. History of this. At the moment they don't have a particular place you can take their prayers. Une visite privée. Là, on est monté tout en haut. On est. Ouh! Wow! Look at this! The icon of the mosque. Wow! Can you see like a pomegranate shape? Yes.